Salut tout le monde, c'est Geto et on va partir pour le fameux jardin noir. Allons voir ce qu'il y a dans le jardin noir. Donc je l'ai mis, je lance et c'est parti, on va aller au jardin noir. La dernière aventure où je me suis perdu dans le métro m'a servi de leçon. Je ne me perdrai plus dans des endroits désertiques où il y a des métros, c'est fini. Nous n'aurons pas de deuxième chance. Ah, on n'aura Si pas nous de deuxième chance. réussissons, le Oui. voyageur sera sauvé. Ok. Sinon, les Vex s'empareront de nos planètes. Ok. Quoi qu'il arrive, si jamais nous devons y rester, je n'ai aucun regret. Ok, d'accord. D'accord. Ok, l'œil du maître des clés est encore chargé. Allons au portail. Y a un gars là-bas. Mais c'est le même que. J'allais dire que c'est le même que tout à l'heure, mais non. Parce que je suis déjà passé tout à l'heure par là et il y avait déjà un mec qui s'amusait à sauter avec son machin. Je sais pas si c'est lui. Je crois que ça doit être lui. Je crois que ça doit être lui, mais je ne suis pas sûr. Alors c'est par là. Hop. Prends Lupucci. Hop, par ici. Y a un méchant là. Ouh, y a un méchant. Y a un méchant pas ouf. Hop, c'est par là. Passera par ici, repassera par là. Quand même assez loin. Alors, le jardin noir, il est bien caché quand même. Les Vex réagissent vite. Ils vont tout faire pour nous empêcher d'entrer dans le jardin noir. Ok. Pas de soucis, j'aime bien. Ouh, je crois qu'il y a un mec avec moi qui m'aide. Ok, enfin c'est une manière de faire. Il y a effectivement beaucoup de monde, hein. J'espère que ça va marcher. Est-ce que je suis chargé? Je suis pas chargé en roquette, hein. On va les mettre. Hop. On va charger toutes les armes. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal ça? Ok. Où sommes-nous? Aucun signal entrant, ni sortant. S'il Ah, s'agit pourtant il y bien a du bien des jardin gens, noir, hein, je les vois là. il n'est sur aucune carte connue de l'espace-temps. Ils sont dans une sorte de stase. Tu crois que je peux les désinguer avant qu'ils reviennent? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal que je les désingue avant qu'ils reviennent, honnêtement. Explorer le jardin noir. Ouais, plus j'avance. Ouais, voilà. Plus j'avance, plus je me dis. Et avoir une merde, tu vois. Ah ouais, je sais que tu recules parce que t'as plus de bouclier. Je l'avais bien compris ça. Je l'avais bien compris, t'en fais pas.
croyais que je t'avais pas vu avec ta jauge de vie, toi. Oh, vous êtes à bonne hauteur là. Bonne hauteur. Ah, salut Jean-Michel, on m'a dit c'était par là. Bon. Il y a un afflux par là, c'est dingue. Attends là, parce qu'il y a... Il y a Roger là qui est en train de me sniper depuis tout à l'heure et ça me plaît pas trop. Je croyais que c'était une porte. Ah voilà, on monte dans la mission là. Ok, une porte toute verte. Au moins que ce soit le ciel. C'est le ciel. Je vais dire putain, une porte toute verte. Non, c'est le ciel. Il y a quelque chose de très sombre en contrebas. Je crois que c'est le cœur du jardin. Ça s'appelle... Ouais, ouais. Ouais, c'est une population de petits êtres robotiques qui nous appellions les connards synthétiques. Putain. En fait, tu peux me faire chier. Hop. Merde, sur quoi j'ai tiré moi? Ah ouais, c'est qu'il y en a un deuxième là-bas en fait. Parce qu'il y a Marcel là-bas qui me tire des... qui me tire du popcorn. Les Vex qui sont là alimentent la barrière. Éliminez-les. Ouais, ça c'est facile à dire. Barrière dissipée. Oh, cette téléportation, mon gars. Ouli, plus j'avance, moins j'aime ça. Bon, c'est une grosse là. Oh.
Là, t'es carrément en train de me faire envahir leur planète, hein. Les pauvres robots, ils ont rien demandé. Et nous, on débarque chez eux et on est en train de tout flinguer les uns après les autres, hein. Nous exterminons votre population à être synthétique. Ok, c'est bon, nickel. Là, c'est du couloir. Là, on te fait avancer, on te dit, toi, va par là. Ah, y a un méchant cri, là, que j'ai entendu, un méchant cri. Une impasse. Le cœur est juste un peu plus loin. Cet endroit n'est qu'une énorme machine. Rapprochez-moi de ces oculus. Bien sûr, je vais te rapprocher de ces oculus. Moi, j'appelle ça un portail, mais bon, toi, t'appelles ça un oculus. Ouais, j'avoue qu'il y a du people, hein, quand même. Hein. Là quand même qu'on est en train de faire une invasion dans leur domaine, hein. Je tiens à préciser, hein, parce que passons au suivant. Ça marche, une flèche se forme. Ouais, ben c'est bien, mais je suis un peu décontenancé par le fait qu'il y a beaucoup d'ennemis ici. Ah, je suis passé sur le côté en mode infiltration. Ok, la petite lumière, il est en train de nous construire un satellite, je sais pas pourquoi faire. Et tu vas me dire, c'est pas comme s'il était utile d'habitude, mais ce qui fait qu'il m'apportait des... Il sert à me faire spawner des ennemis, ce petit lumière, petite lumière rouge. Le cœur du jardin. Très bien. Ok, ce bord là. Allons-y. Bah oui, allons-y, tiens, va. Bah.
c'est gros. Tu es un dieu? Je n'ai pas tellement le choix. Ok, honnêtement, là ça craint. Je sais même pas ce que je dois tuer. Bon, je crois que là le but de la mission c'est simple, ça s'appelle l'extermination. Hein, parce que. Je veux pas dire, mais. J'ai l'impression que la mission, on m'a dit tiens, donne un flingue, t'en flingue le plus possible avant de crever. Enfin, en plus, c'est des vieux robots, regarde avec le. C'est des vieux robots, hein, le truc, hein, c'est. Saloperie là. Et toi? Oh merde. Il se passe quelque chose. Ces statues géantes prennent vie. Mais merci, ouais, j'avais vu. Ça a l'air vénère hein, quand même. Ça a l'air quand même bien vénère. Le cœur se meurt. Continue de vous battre. Ouais, ouais, non, mais ouais, ouais, je vais pas crever ici, t'inquiète pas, mais Oh merde. Je suis en position de combat là, je suis prêt là. Allez, j'ai du lourd. Allez, lève-toi. Voilà, le problème il est que j'ai plus de mission au revoir. Clairement dans une optique de. J'ai plus de munitions lourdes. Ah si j'en ai une. Ah, il y a des mondes derrière. Si il vient de viser. Putain il est derrière le. Oh, aïe. Ah, il fait mal hein. Ah il fait très mal.
Il fait très très mal hein. Dis bonjour à ma roquette. Avec le pistolet de Luke Skywalker, je peux tuer n'importe quoi. Non, c'est le pistolet à Han Solo, ça. Et ouais, tu peux rien face au pistolet cheaté. T'as pas lâché des... T'as pas lâché un petit missile violet par hasard? Ok, où le dernier, il est là. Je vais attendre que t'arrives, je vais te balancer une grenade. En mode violence extrême. Je continue à le tuer au petit flingue, parce que le petit flingue fait extrêmement mal. Le petit flingue lui fait extrêmement mal. Non. Non, ça c'est tout moi, je suis mort à la fin. Non. Ça c'est tout moi. Faut que je me les refasse tous. Ah ouais, faut que je refasse toutes les statues. Ah non, faut que je refasse que elle. Ah bah c'est nickel. J'ai une grenade. C'est ça, hein, faut que je me refasse que la dernière. Ok, bah c'est bon. C'est nice. J'ai une grenade en plus. Là, je tire à côté. Tout à l'heure j'étais bien, mais là. Putain, plus j'ai. Plus je commence à plus avoir de munitions pour mon reste de balles. Je vais tirer dans sa lumière au milieu. Et je vais t'avoir, je vais tomber. Ça se fait. Oh merde, c'est plus de balles. Ah là, c'est bon. Je t'ai vaincu! Je t'ai vaincu. J'ai un signal. On est de retour sur Mars. Je reçois des signaux de tout le système, d'autres spectres. Le voile des ténèbres s'est levé. Le voyageur a retrouvé la lumière. Ouais. Le guide nous demande à tous de rentrer. Le voyageur a retrouvé la lumière. Ouh. Si je dis pas de bêtises, je pense que ça c'était le boss de fin. Et après on part sur autre chose.
Après, on part aussi à autre chose. Et ça, c'est après. Donc là, je propose qu'on prolonge et qu'on aille voir le voyageur ou le machin qui se passe à la tour. Moi, que ça m'emmène directement, peut-être. Peut-être que ça va m'emmener directement. Honnêtement, le boss de fin, parce que je sais que c'est le boss de fin, on va dire entre guillemets, de la première aventure, est pas si ouf que ça en fait. Pendant des siècles, nous avons redouté l'assaut des ténèbres grandissantes. Nous avions trouvé refuge dans l'ombre d'un dieu stérile. C'est fini. Ces gardiens représentent qui nous sommes, qui nous avons toujours été et qui nous serons de nouveau. Nous sommes les enfants de la lumière. Et nul ne pourra nous détruire. C'est le jour des médailles et des beaux discours. Mais nous savons que le vrai combat est ailleurs. Tenez. Il reste encore temps à découvrir, gardienne. J'ai vu les ténèbres engendrer des choses horribles. Merci, mais je l'avais déjà, l'arme. Elle s'approche de nous à chaque instant. Chaque fin annonce un nouveau début. Le combat est loin d'être achevé. Et là-dessus se termine la première partie, on va dire, du jeu. La partie officielle sans les DLC se termine là-dessus. Bien évidemment, je vais faire les DLC. Parce qu'ils sont dedans, et voilà. Mais ça, se termine officiellement là-dessus. C'est officiellement là, on va dire, à l'époque, la fin du jeu où il n'y avait plus rien à faire après ça, à part rusher les donjons. Bon, bah, sur ce, on se termine sur cette magnifique fin. Puis je vous dis à la suite. Nos aventures palpitantes.